Pour réaliser une brunoise, la première chose, c'est de faire des bâtonnets, comme ceci. Alors, vous voyez, là, les bâtonnets sont un peu larges. Je vais les recouper en deux pour faire une petite brunoise. Alors, toujours se protéger les doigts. Et on fait des petits bâtonnets en premier, que l'on va détailler ensuite en petits cubes. Voilà, je les reprends et je les taille en petits cubes. Et une brunoise, c'est des petits cubes comme ceci. Je vais la mettre à macérer dans du grand marnier.